Bienvenue dans ce rasage. Bienvenue dans ce rasage du jour en date du 24 juin. Aujourd'hui, test du rasoir de la marque anglaise ON. Le voici, rasoir de sûreté à lame à double tranchant, donc le 15A. A pour aluminium, car il existe différentes versions. Une version en laiton, j'ai vu sur le site, ils sont en rupture. Ils ont aussi une version en titanium, je crois que c'est en projet, c'est en cours. Donc le voici de plus près. Voilà. Donc le manche, il fait à peu près 8,5 cm. Un poids de 68 grammes. Donc en aluminium, deux versions, noir ou chrome. Et là, je le teste en direct. Et on m'a conseillé de le tester. Donc c'est un rasoir 3 pièces. De le tester avec une lame Fizzer. Voici, donc je vais en prendre une toute neuve. Comme ça, on va voir en même temps. Oh, Fizzer, ils aiment bien foutre des couches de colle. Ils sont pas radins avec la colle des papiers. Donc comme ça, je vais pouvoir voir en même temps l'exposition de la lame. Au premier abord, ça sera un rasoir très doux. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent en fait sur le site, la marque, c'est leur premier rasoir et puis ils ont voulu un rasoir plutôt doux. Pour eux, le point d'équilibre, il est par ici. Et si on peut voir, pas évident, la lame, ouais, voilà. Elle a l'air exposée quand même, à voir. On verra bien. Le savon américain Cold River Softworks Bergamote NB. Je vais mettre un peu de Proaseau et je reviens. Vlerofine synthétique. Chargement. Viteuf Express. Donc Bergamote NB, je disais, donc odeur de bergamote. Tabac à pipe. Cèdre, pain et de laurier. Plutôt sympa, ouais. Et la compo, j'ai pas trop chargé là, je vais revenir un petit peu. La compo, beurre de cocoum et de karité, suif, glycérine et lanoline. Ouh, il est gourmand, non, ce savon là. Après, c'est vrai que des fois, trop mettre de pré-barba Proaseau, ça peut aussi fausser le montage de la mousse. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc ma peau, elle déconne un peu depuis deux jours. Donc j'ai des rougeurs ici, là. Ici, un peu la moustache. Donc je dis ça pour info. Ce sera pas dû à la lame ou au rasage, quoi. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Première passe. Sauce du poil. Plutôt doux pour l'instant, ouais.
Ouais, le rasoir, ça s'encrase pas avec la mousse. Efficace pour une première passe. Ouais. Le dessous du nez, ça va. Bah, il décape bien, ouais. Barre de plusieurs jours. Après quoi, aussi, la fuseur, bon, elle y joue aussi. Le poil, il n'a pas tiré. Ouais, voilà, les rougeurs sont un peu ici. Je pense que je vais faire une deuxième passe au travers, mais déjà pour une première passe. Plutôt cool, efficace, impeccable. Allez, c'est parti, au travers du poil. Donc comme d'hab, hein, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Bah même là, c'est vraiment bien doux. Ouais, c'est vraiment agréable. Encore une fois, une belle découverte. Pour ceux qui aiment la douceur. On est servi. Allez hop, Finex, ouais, un peu impeccable, moi ça me convient, nickel, moi ben, je vais aller me rincer, fin du rasage, moi ben, comme je disais, c'est vrai que j'ai un peu commenté en même temps, hein. La douceur elle est là, l'efficacité aussi, mais ceci dit, peut-être que ça adoucit la fuseur. Je m'explique parce qu'il y a des endroits où la fuseur, c'est vrai qu'elle est réputée pour être la lame à double tranchant, la plus tranchante. Il y a des endroits où je ne l'ai pas forcément trouvé si agressif que ça. Donc peut-être que c'est
aussi l'inclinaison, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une belle inclinaison de la lame. Peut-être que ça y joue là-dessus. Ceci dit, la barbe d'une semaine, elle est partie impeccable. Ça m'a même pas tiré sur le poil ni rien, je ne l'ai même pas senti. Donc quand même une efficacité, et comme je le redis et je vais encore le redire, une douceur. Donc ceux qui aiment les rasages trop doux, ça va pas être pour vous. Hein. Pour le reste, c'est un bon produit, ouais, une belle douceur. Et puis voilà pour ce produit. Ouais, mais je l'ai assez commenté pendant le rasage et puis maintenant. Et là, je vais laisser la peau reposer. Je pense que je vais pas mettre d'après-rasage. D'habitude, j'en mets, mais là, je sens que la peau, elle est bien. Elle me demande pas forcément. J'ai pas la sensation d'une lame qui m'est passée sur la peau. Donc, je vais la laisser tranquille, reposer. Et puis voilà, donc comme j'ai dit, barre de description, il y aura tout. Si vous voulez, Facebook, Instagram, vous abonner, c'est vous qui voyez. Donc merci du visionnage et bon rasage. Ciao.